Ce mardi 6 juin, le Parisien a eu l'occasion de rencontrer la chanteuse et comédienne Dorothée à l'occasion de la sortie en salle du 7e volet de la saga Transformers. Une adaptation réalisée par le réalisateur américain Steven Caple Jr. et dans lequel les nombreux fans de la saga pourront redécouvrir l'ancienne animatrice de télévision puisqu'elle prête sa voix à l'un des personnages. Au cours de son entretien, celle qui célébrera prochainement ses 70 ans s'est non seulement confiée sur son impressionnante carrière mais aussi sur ses futurs projets. Si Dorothée regarde régulièrement la télévision, notamment des thrillers, et des policiers qu'elle apprécie, cette dernière se verrait incarner un rôle sur le petit écran. Ça me plairait bien, a-t-elle ainsi déclaré, optimiste. Ce serait marrant à faire en tout cas. Et d'ajouter ensuite, sur les conditions de son potentiel retour, je ne veux pas faire de la télévision pour faire de la télévision. Il faut vraiment que ça me plaise ou que je puisse défendre une cause. Supérieur à Dorothée, Jordi, Larousseau. Que deviennent les stars des années 90? Dorothée, ses rares confidences sur sa carrière toujours lors de son entretien avec le Parisien, Dorothée a notamment été questionnée sur sa carrière. Car récemment, l'icône du club Dorothée a fêté ses 50 ans de carrière. Une étape importante pour certains artistes mais visiblement pas pour cette dernière qui n'apprécie pas spécialement les célébrations. Oh non, je vous en supplie, pas d'anniversaire. Je déteste ça, a-t-elle ensuite révélé. Je n'apprécie déjà pas de le faire dans ma vie personnelle, donc c'est pareil pour la télévision et le reste. Encore plus quand c'est systématique, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Désormais, l'artiste préfère aller de l'avant, sans être constamment dans la nostalgie. C'était ce que c'était et puis la vie continue, avec d'autres expériences, a-t-elle ensuite conclu. Crédit photo, Giancarlo Gorassini Best Image. Just me.